Dans une vidéo, la mort sans jour, mettez d'ailleurs mes frères et sœurs amis. Ce n'est pas des Haïtiens qui prennent ligne et puis qui attendent un petit sac du riz dans mes chefs de bandits. Bon, quand ça fait venir avec l'émission, c'est pour qu'on fait plusieurs parallèles. Je vais vous montrer une vidéo. Ah oui? Est-ce que ce n'est pas même Mounsa qu'on appelait de courir les petits monsieur 400 maozo attaquer Kayo, les petits monsieur 400 maozo a boulé, les petits monsieur 400 maozo a kidnappé? Est-ce que ce n'est pas même yo même qui qu'on a marché dans la presse? Est-ce que ce n'est pas même yo même qui qu'on a critiqué Bandi? Mais pour qui ça, dans Mounsa qu'on a décidé pour y aller poser action ça? En cas de vidéo, je vais venir. C'est dans la société image sans sorte garder l'âge comme tu as annoncé là. C'est l'homme sans jour qui mettait un dalmoun souligne, plusieurs petits sacs à jury qui marquaient TCS, donc il fait cadeau. Mais ça qui est terrible, c'est le mécanisme, c'est jamais utilisé, donc technique pour le capable de moun yo manger. Hein? Donc c'est en forme de humiliation totale pour gens que monsieur a servi avec moun yo. Mesdames, mademoiselles et messieurs, je vais avec le reste de la vidéo. Mais avant tout, je vais vous dire que capable de dominer l'actualité. Hein? Dans ça qui vient ouais mes frères et sœurs amis à Kamoun cap obligé courir quitter Kayo gang a décidé voyez majorité moun yo non ti coin dans vidéo que m'va partager avec même là c'est pas des moun cap souffrir cap relé t'a expliquer maintenant qui est tailloyé mais comment y a souffri mais comment bagarre la compliqué pour yo à cause de gang qui mettait au dehors mais ça terrible c'est témoignage ou pral tendez de yon nan yo cap expliquer mes frères et sœurs amis lui même li sorti en nan fief ne yo au lieu bon détail ou al garder. L'autre information qui domine l'actualité, c'est quatre jeunes garçons qui étaient sous un yacht dans la mer en sapit. Zam qui étaient dans la mer, yon déclenché. Trois autres rivés prend balle, yon là de mouri. Et bien ça passé hier, samedi 24 février 2024. Là, et puis, moi, je me est-ce que c'est ta gang, ti monsieur, ça a taillé? Ou dis-moi, est-ce que c'est ta ti monsieur qui décide de faire l'homme et pas? Donc, on gagne, mes frères et sœurs amis, Venezuela qui annule toute dette Haïti Tenuelio, à savoir comme Petro-Caribéen qu'on a demandé, c'est une affaire de 2,3 milliards de dollars américains. Eh bien, seulement l'État haïtien a déposé 600 millions pour Venezuela et finalement annulé toute dette là. Moi, je viens avec l'autre vidéo, mes frères et sœurs amis, côté que Timoun l'école, yo parler avec l'État. Bonjour, bonsoir, bonjour tout. Est-ce que Napkembe, est-ce que tout le bagage en forme? Nous connaissons déjà, Pigodezi, Naka, Aplezino, c'est informé chaque jour, Biblis. C'est bateau nouvelle là, maman Bemba, on allait. Nous bâtis comme ça. La voix, le son, les images, vous pouvez les retrouver partout. Mais si vous recherchez les bonnes qualités, il vous suffit de taper FS News Haïti. Sur YouTube et sur Facebook, nous sommes présents 24h sur 24 pour vous informer. Abonnez-vous pour être au courant de tout ce qui se passe à travers le monde. FS News Haïti, c'est là où la complicité se joue pour atteindre le paroxysme du savoir-faire. Mesdames, mademoiselles et messieurs, je vais même tourner sous ça qui gagne à quatre questions. Monsieur Lamont Sanjou qui notamment a fait l'obéir en bas, qui a passé par les jury. Malheureusement, nous avons décidé pour y aller prendre quand même sans yon pas honte. Mais mesdames, mademoiselles et messieurs, ma parole pour que moi partager avec vous toute dernière information capable de dominer l'actualité pour l'instant. Je ne suis pas dans la gang du tout. Mais frères et sœurs amis, on a regardé vidéo ça, à côté de plusieurs mounes, chefs de gang, mettez des yo la kayo, ou t'attendez comment Timan mieux a crié, ou t'attendez comment mon yo a prélé. On a le suivre, on a le regarder, puis moi-même, m'a venir tout de suite après. Les amis, mon grand, vous ne pouvez pas manger, non, vous ne pouvez pas prendre. Si vous ne savez pas, vous ne pouvez pas faire de caille. Les amis, vous ne pouvez pas prendre. Voici la pleine grâce. Parce que la misère, nous devons manger. Si vous ne pouvez pas manger, vous ne pouvez pas faire de caille. Si vous ne pouvez pas faire de caille. Et nous dans la commune Léogane,
deuxième section communale, Petite Rivière, qui est dirigée par Katel Robinson Joseph, André Vertus, Margaret Fortuné, c'est monsieur Dame Silayo qui gagne pour responsabilité, qui pour diriger section communale Sila. Nous, notre rivière, nous débouchons dans un site, côté que gagne un pile monde qui sortit dans la cour Port-au-Prince, soit à quoi des bouquets, au Naville, Canaan, Cité Soleil, Delma 2, et Matissan, Fontamara, Cafoufeuille, Mariani, yo sorti Tribo-Babo, Mounio, yap dormi à la Belle Étoile, yo pa konnen à qui crier, à qui aller. Oui, messieurs, qui compte sortir, qui compte sortir. Sorti Cafou. Et pour tout là, c'est pas quelque problème. Nous l'avons dans la rue, nous avons des gens qui ont souffert, des gens qui n'ont pas mangé, des gens qui ont pris des gens, des gens qui ont avec nous parce que nous ne sommes pas capables. Ok, qui message vous voulez vous ébayer ONGO, organisation non gouvernementale? Bon, c'est pas qu'est-ce que je vais dormir à la Belle Étoile. Je vais dormir sous place, je vais dormir à Moun, je vais faire une déception. Dégage, je vais faire pour nous, parce que nous ne sommes pas capables. Est-ce que c'est là nos dormis? Est-ce que c'est là nos dormis? Oui, c'est là nos dormis. Combien de jours nous gagnons là? Nous avons gagné une semaine, nous avons gagné une semaine. Nous gagnons à peu près une semaine. Nous, dans la commune Léogane, deuxième section communale, Petite Rivière. En tout cas, mesdames, mademoiselles et messieurs, bagala li complètement compliqué en dedans en pays d'Haïti. La police pour nous partager à tout même toute dernière information yo. Ça qui vient à ouais, mes frères et sœurs, amis, aka bandits qui continuent à tailler mandat, qui la cause moun yo pas capable d'arrêter vivant dans zone yo y a souffri. Et mais mesdames, mademoiselles et messieurs, donc yo arrivé dans une situation, donc yo obligé quitter kayo. L'autre information que je voulais partager à tout même, c'est ça qui vient à ouais, mesdames, mademoiselles et messieurs, aka quantité moun donc qui a souffri par rapport à négligence l'état dans le pays. Donc gagné encore une fois une étude de l'Université Michigan fait donc dans l'année 2020 qui constatait que Haïtien c'est un peuple qui consommait plus en moyenne 85 kg ou bien 187 IB du riz chaque année. Ça veut dire une quantité que les États-Unis d'Amérique extrêmement loin pour le consommer, puisque les États-Unis a consommé seulement 12 kg par année. Mesdames et messieurs, nous comprenons ça me dire 85 kg donc haïtien consommé, eh bien les États-Unis lui-même qui consommait 12 à kg pour une année. Mais chercher yo fait connaître Haïti consommer du riz fait population exposée à un gros risque pour yo développer complications au niveau santé yo, spécialement la caille génio. C'est rapport étude là qui précisait ça. Dirait américain qui envahit pays, pas seulement des conséquences, mesdames, mademoiselles et messieurs, mes frères et sœurs, amis. Donc, façon dont nous avons consommé et manger en Haïti, extrêmement difficile. Donc, il dit, un rapport a dit, dirait américain pas seulement des conséquences négatives sur planter haïtien, mais haïtien, yo qui pas qu'à vendre produits locaux surtout du riche là du riche là belti du nyeo mais il y a impact violence sur tout sur consommateur yo pendant une période qui plus longue. N'a rappelé Haïti c'est une principal pays qui achète du riz plus aux États-Unis. Bon côté Haïti il y a un autre pays qui c'est Mexique avec Japon, étude l'a révélé. Mais option importation bon marché c'est lui même qui permet que moun yo finalement a pas souffri comme ça. Donc, il y a l'État qui suppose font travail dans ça. Est-ce que l'État va arriver faire? Nous va connaître, mais c'est ça qui est important. Information, l'idée, n'a pas pour l'État à faire exactement ça que l'État supposé faire. L'autre point capable de dominer l'actualité, Venezuela a annulé la dette à Petro-Caribea pour Haïti sous condition. Il faut que Haïti te baille 500 millions de dollars plan américain pour te finalement annuler 2,3 milliards de dollars ou bien 2,3 milliards de dollars. Venezuela a été prêté Haïti ou bien Haïti te doué Venezuela dans ce qui a accord à Petro-Caribea. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, donc Venezuela finalement annulé. C'est le gouvernement Ariel Henry qui normalement mettait l'argent ça disponible. Nous avons rappelé que Jovenel Moïse a commencé avec la planification, yo, mais qui va finir. Donc, ça arrive, je veux dire là, par exemple, l'équipe allemande de Pedro Caribe encore, parce que d'être là annulé, et là, dit au moins bravo avec M. Sa, qui notamment
et font travail, ok, ils font grand travail là au minimum nous capables de dire fait et ils vont bien que initiative là ils devraient apprendre ils devraient voler comme lui mais ils font grand ça qui bon moi je vais quitter nous là avec une vidéo donc côté son nostalgie il y a des bagages mon qui est Haïti même j'ai avec moi yo il y a des bagages ou après yo ou après que est-ce que on parle encore ok son nostalgie moi je vais nous regarder là. Mais surtout, gardez le message qui est en là, mesdames, messieurs. La voix, le son, les images, vous pouvez les retrouver partout. Mais si vous recherchez les bonnes qualités, il vous suffit de taper FS News Haïti. Sur YouTube et sur Facebook, nous sommes présents 24/24 pour vous informer. Abonnez-vous pour être au courant de tout ce qui se passe à travers le monde. FS News Haïti, c'est là où la complicité se joue pour atteindre le paroxysme du savoir-faire.